Nous voilà cette nouvelle pleine lune, la troisième de l'année astrologique, la pleine lune du Gémeaux. Gémeaux, Sagittaire, le soleil à 2 degrés du Gémeaux et la lune en face. Troisième pleine lune. Alors rappelez-vous, on a eu, la plupart devaient être là, on a eu la pleine lune de Shambhala pour le bélier, pleine lune du taureau après Vesak, et là c'est la pleine lune du gémeaux. Donc c'est important de comprendre la continuité de ces pleines lunes. Et celle de Shambhala, au moment du bélier, on reçoit les énergies de la tête de la planète, Shambhala, qui représente la tête, la gouvernance sur le plan cosmique. Au taureau, pendant Vesak, on a les liens entre Shambhala et la hiérarchie. Et donc, c'est la fête de Vesak, la vraie fête de Vesak, la grande fête de Vesak. Et là, c'est donc la troisième, le Gémeaux. Et au temps du Gémeaux, c'est le temps de la diffusion, justement, des mondes d'en haut. C'est l'initiation pour la collectivité. C'est le moment de l'initiation, s'appelle les initiations de groupe. C'est-à-dire, là, ça se diffuse au grand nombre. C'est très important. C'est un autre moment fondamental. Pleine lune du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est le signe de la dualité. Il y a une dualité dans le Gémeaux. C'est un signe duel, comme tous les signes mutables, d'ailleurs, ont un lien avec la dualité. Et là, c'est vraiment la dualité plus que tous les autres. Et cette dualité, il faut le savoir, c'est la dualité entre le monde de la personnalité et le monde de l'âme. Alors, pour ceux qui sont dans la personnalité et qui connaissent pas du tout l'âme, il n'y a pas de problème. Fastoche que la personnalité, donc, ils sont pas encore dans cette dualité. Ceux qui rentrent dans la vie spirituelle, et c'est pour ça que c'est pas facile de rentrer dans la vie spirituelle, parce que l'âme commence à arriver et commence donc le combat entre l'âme et la personnalité. Ce combat, sachez-le, c'est dans le Gémeaux. Mais c'est vraiment pour ceux qui rentrent dans la vie spirituelle. Avant, le Gémeaux, c'est le mental. C'est le mental, c'est la communication normale, objective, on l'appelle objective. Et arrive un moment, on rentre dans la vie spirituelle, et dans cette vie spirituelle, le Gémeaux va être le moment où on va passer de l'objectif au subjectif. Donc, de la parole, de la communication extérieure, de la communication qui vient de la personnalité, à une communication qui vient de l'intérieur, et donc qui est dans le temple. Et le Gémeaux, c'est justement le passage. C'est les deux piliers du temple. C'est les deux piliers du temple. Il va falloir passer. C'est une initiation. Voilà ce qui est important à comprendre. Le Gémeaux, c'est l'initiation pour entrer dans le temple et donc se retrouver après dans une parole qui vient du temple, qui vient des mondes intérieurs. Donc c'est un moment très très important, ce Gémeaux. C'est la grande initiation, enfin c'est une grande initiation qu'a besoin toute l'humanité.
Parce qu'à partir de là, au lieu de parler avec notre personnalité, on parle avec notre cœur. On parle avec la présence. On parle à partir de l'âme. Évidemment, un jour, on peut parler à partir d'Uranus, donc à partir du maître. Mais ça, c'est plus tard. Dans le Gémeaux, c'est l'initiation à parler avec l'âme, à partir de l'âme. D'entrer dans le temple. Entrer dans le temple sacré. Donc ça, c'est le Gémeaux sur le plan spirituel, évidemment, sur le plan ésotérique, sur le plan initiatique. Quand on fait des cercles de parole, pour tous ceux qui ont déjà fait des cercles de parole, quelque part, on rentre dans cette initiation. L'initiation à la parole qui vient du cœur. Et les gens sont vraiment étonnés parce qu'ils se rendent compte souvent, quand ils vivent cette initiation, qu'ils n'avaient jamais parlé à partir du cœur. Jamais parlé à partir du cœur. Même si on est dans la bonne volonté, on est sympa, on est gentil, tout ça. Non, c'est pas le vrai cœur. Le vrai cœur, c'est quand on est en contact avec l'âme. Bon, c'est l'initiation du Gémeaux. C'est l'initiation de la communication dans le temple. Donc, c'est les cercles de parole. On a souvent parlé des cercles de parole. Ces cercles de parole servent à ça. À petit à petit, s'initier à cette parole nouvelle, cette parole qui vient du cœur. Et quand elle vient du cœur, évidemment, la relation est tellement plus belle, plus vraie, plus juste. Bon, c'est l'initiation du Gémeaux. Et ce qui est à comprendre, c'est que c'est un lien avec la pratique du pranayama. Enfin, la pratique du pranayama est une aide pour l'entrée dans le temple. Le pranayama, c'est la science du souffle. Alors, on apprend par cette science à respirer. Alors, il y a plein de pratiques, c'est très très vaste, hein. Bien sûr, cette pratique du pranayama, il y a plein d'exercices de respiration différents. Mais ce qui est important, ce n'est pas les exercices. L'important, c'est d'arriver à se retrouver dans une parole qui est en accord avec le souffle. Voilà, la pensée s'accorde avec le souffle. C'est le lieu de cette initiation extraordinaire qui nous fait rentrer dans le temple. C'est la première entrée dans le temple, vous vous rendez compte, avec les deux piliers du Gémeaux. Donc ça, c'est très, très important, cette compréhension. Et la compréhension, c'est bien, mais mieux encore est de rentrer dans le temple. Donc de trouver ce lieu de la parole de cœur, de la parole qui vient de l'âme. Tout ça, c'est le monde du Gémeaux. Que dire encore du Gémeaux? Que le maître, bien sûr, c'est Mercure. Mercure, Hermès, Thoth. Ce sont les maîtres du Gémeaux. Alors, Mercure. Mercure, Mercure. Mercure, vous le savez aussi, certainement, la plupart d'entre vous, c'est le fils du Soleil et de la Lune. C'est donc celui qui naît de l'union du soleil et de la lune, donc du masculin et du féminin en soi, justement de l'âme et de la personnalité. C'est le lieu de l'union. C'est le lieu, c'est la planète du mariage de l'âme avec la personnalité. Alors,
Quand ce Mercure vit ce mariage, on rentre dans la présence. C'est pour comprendre la chose autrement. Par la planète, tout à l'heure, ça a été expliqué par le signe des Gémeaux, du Gémeaux. Là, c'est par la planète. Par la planète, Soleil, Lune engendre Mercure. Voilà, c'est une autre vision de la chose, une autre compréhension. L'âme et la personnalité, le soleil et la lune. La conscience, le soleil et la sensibilité, la lune. Les deux doivent se marier. Alors, présence. Ça, c'est Mercure et ça, c'est le vrai Mercure, l'enfant divin. Mercure, c'est aussi donc la planète en lien avec le Mercure. Le Mercure, la matière, Mercure, le métal, Mercure, le Mercure des alchimistes. Donc ça, c'est un autre point qui est important, ce Mercure des alchimistes qui va servir à la transformation. Et on va passer, justement, par ce mercure qui est malléable, on va passer du plomb vers l'or. Donc, c'est le lieu de la transmutation de notre métal sombre, lourd, qui est représenté par le plomb, à l'or qui représente donc le soleil, notre soleil. L'or du soleil. Donc, c'est le lieu de cette alchimie. Par cette compréhension, par cette initiation. C'est une initiation. Cette initiation, disent les Indiens, c'est l'initiation qui coupe la tête. Alors, au début, ça fait un peu bizarre. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Couper la tête, ça fait un peu peur. En réalité, ça n'est que couper la tête de la personnalité. Pour se retrouver vraiment dans l'âme. Dans la présence de l'âme, il faut couper cette parole inconsciente qui vient de la personnalité. Cette parole qu'on entend partout, qui est la parole qui vient de l'ego. Mon ego contre l'ego de l'autre. La dualité du Gémeaux. C'est vraiment ce monde de la bataille d'un mental contre notre mental. Et c'est donc être dans le monde objectif, la pensée objective. Un jour, on rentre dans les profondeurs et c'est l'âme qui s'exprime. L'âme n'a pas à se battre. L'âme, elle est amour. Elle est présence. Elle est rayonnante. Elle est solaire. C'est notre soleil. Donc tout ça, c'est à bien comprendre et à vivre. C'est le temps du Gémeaux. Donc la pleine lune du Gémeaux sert à cela. C'est le temps de cet alignement, de cette compréhension. Toutes les pleines lunes sont incroyables. Celle du Gémeaux, première initiation, l'initiation de la parole. L'éveil de Mercure. Peut dire aussi que c'est le temps de l'éveil.
Mercure, la planète de l'éveil. Présence. L'éveil, c'est l'éveil à la présence à soi-même. Être présent à l'âme ou à la divinité que l'on est. Être vraiment conscient de ce lien à la divinité. En toute conscience. La simplicité, la tranquillité de la présence à l'âme. Là donc, quelques mots de ce Gémeaux, quelques mots de cette pleine lune. Mais on va aller voir cette pleine lune de plus près. Et pour ça, on va peut-être même pouvoir partager Le thème. le thème. Le voilà, ce thème. Ça va partir sans mes gens. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien ce thème, que ça fonctionne bien. Et là, vous voyez le Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus et même une étoile. Il y a même l'étoile. Bon, là, je ne vais peut-être pas pouvoir y aller. Bon, il y a même l'étoile à 0 degré qui est là-haut. Et là, c'est l'étoile carrément Alcyone. Donc aujourd'hui, on a un alignement Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus et Vénus, Jupiter qui touche vraiment Alcyone, l'étoile Alcyone. Tout le monde ne connaît peut-être pas encore Alcyone. Alcyone, l'étoile la plus importante des Pléiades. Les Pléiades, le féminin sacré. Les sept sœurs divines, le féminin sacré. Avec Alcyone, cette étoile incroyable qui a été transmise intensément par Krishnamurti, qui avait son Mercure sur Alcyone. Et du coup, on disait de lui qu'il était un envoyé d'Alcyone. Aujourd'hui, Vénus, Jupiter, Alcyone. Soleil, Vénus, Jupiter. Alors, c'est vraiment la fête pour Vénus, surtout, accompagnée de Jupiter sur le même degré, 29e degré. Et en plus, vous le voyez certainement, on a Vénus, Jupiter là et Neptune à 29 degrés du Bélier. 29 degrés du poisson, pardon. Dernier degré du poisson. Du coup, ça fait un beau sextile. Un magnifique sextile de toutes les planètes là avec Neptune. Donc un lien avec la mère divine, avec le suprême. Donc une pleine lune avec cette incroyable connexion, cet incroyable alignement et la connexion à Neptune, en sextile, en coopération avec Neptune. De plus, ce Soleil, Vénus, Jupiter, si vous regardez bien, c'est dans la maison 9. Ici, on a la maison 9. Commence 26 degrés là, dans ce thème de cette pleine lune. Et c'est donc une pleine lune de maison 9, donc dans ce qu'on appelle le temple. Une pleine lune dans le temple, et c'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. On rentre dans le temple que par cette initiation particulière donnée par le Gémeaux. Et là, c'est venu Jupiter, Soleil. Une Jupiter à l'entrée du temple. Ouais, tout à fait, à l'entrée du temple. Hein.
tout à fait à l'entrée du temple. Donc là, c'est la joie, le cœur, en fait, d'être dans le temple. Vénus, Jupiter, dans le temple, la joie du temple. L'amour, joie que procure l'entrée dans le temple. Le temple de l'âme. La maison neuf, c'est le temple de l'âme. Grâce à l'astrologie, on comprend, on sait, on connaît petit à petit cette maison. On peut le connaître parce que, voilà, on a des moments où il y a des planètes qui passent dedans, que ce soit en transit, que ce soit en progression, petit à petit, grâce à la connaissance de cette science, mais surtout de certaines choses qui se passent dans notre thème, alors on peut comprendre et rentrer dans le temple. Et en avoir une compréhension claire de cette vie dans le temple, de cette présence dans le temple, de ce silence du temple, de cette respiration dans le temple, de ce souffle. Oui, les Gémeaux, c'est aussi le souffle. Je parlais du pranayama, évidemment, c'est la science du souffle. La respiration dans le temple. On s'établit dans notre temple. Tant qu'on n'est pas rentré dans le temple, no notre pensée, elle est extérieure à nous. Alors on dit qu'on porte la pensée. On porte la pensée dans la tête. Quand on rentre dans le temple, on la pose dans le cœur. Alors elle est dans le cœur, elle est bien, elle est posée, elle est tranquille. C'est facile. Aucune difficulté, aucun stress, aucune raison de tout ça. La parole est dans le cœur. Elle est rentrée dans le temple de la maison neuve. Alors là, Vénus, aujourd'hui, peut s'exalter. S'exalter avec Jupiter et avec Alcyone. En contact avec ce feu de Jupiter et la beauté, la grandeur, la sensibilité, la subtilité d'Alcyone, qui est d'une extrême sensibilité. C'est la très haute sensibilité dont nous parlait Krishnamurti. Alcyone. D'être une extrême sensibilité. C'est une étoile. Une étoile féminine. Donc aujourd'hui, on a cet alignement extraordinaire. Vénus, Jupiter, Soleil, sextile, Neptune. Il y a aussi le trigone à Pluton. Un trigone à Pluton, parfait d'ailleurs. Donc il y a un contact avec cette planète, vous savez, qui est rentrée en Verseau, qui là est en train de reculer tout doucement, et elle va revenir dans le Capricorne pour une dernière fois. C'est ça qui est important. Passera pour dans le Capricorne septembre, octobre, novembre, quelques mois, pour la dernière fois. Dernière fois de cette existence, normalement. Puisqu'elle retournera dans le Capricorne dans 240 ans, à peu près 230 ans. Un peu moins, parce que là, c'est la fin du Capricorne. Et le prochain coup, ça sera le début du Capricorne. Mais c'est donc très très loin. Et donc, voilà, on verra qu'est-ce qu'elle va faire au dernier degré du Capricorne cette année. Comment ça va se passer? Pour observer. Pour après rentrer définitivement dans le Verseau pendant une vingtaine d'années.
Alors, cette pleine lune a cette connexion à Pluton. Pluton qui joue le rôle de détruire ce qui doit être détruit. Il a le rôle Il a un rôle initiatique quand on est rentré dans l'initiation, justement, la mort de l'ego. Cette mort de l'ego qui est essentielle pour entrer dans le temple. Ça, c'est le Pluton initiatique. Il tue pour qu'on renaisse autrement. Ça, c'est le grand Pluton. Le Pluton sous la guidance d'Uranus, je l'ai expliqué 1000 fois. Saint Uranus, il est destructeur et il peut être violent et il peut être terrible. Avec Uranus, il est dans la connaissance et dans la connaissance de cette mort de l'ego qui est nécessaire pour entrer dans le temple. Bon, c'est plus du tout le même Pluton. Voilà, là donc, Soleil, Pluton. Parfait. Y aurait-il autre chose? Bon, il y a évidemment Uranus, hein? Je n'en ai pas parlé ce soir. Bon, c'est rare, je n'en parle pas, mais bon, là, il est quand même là, hein? Pas oublier qu'il y a eu Jupiter-Uranus, la grande rencontre de l'année. Le 21 avril, il y a un mois donc, à peu près. Et là, la conjonction est encore présente à 6 degrés près. Uranus, Jupiter, Soleil, Jupiter, Uranus. Ils sont encore tous ensemble. Et donc, c'est aussi donc la joie de la transcendance. Soleil, Jupiter, Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus. La joie de la transcendance. La joie d'être dans la présence transcendantale d'Uranus. Transcendance, c'est d'être en contact avec ce qui est plus grand que nous-mêmes. C'est de savoir respirer avec cette fleur qu'est Uranus. C'est de savoir embrasser la collectivité dans l'unité, dans le silence. Dans la présence. Et dans la puissance. Uranus, c'est aussi la puissance. Il y a le pouvoir avec Pluton, il y a la puissance avec Uranus. Alors, Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus. Magnifique cadeau. Magnifique alignement. Alors c'est l'opportunité de goûter à cette présence, à ce silence. Présence collective. On va pouvoir enlever le thème, se retrouver ensemble, justement dans cette présence d'unité de conscience de groupe. On est très conscient que ces rencontres sont pour se rencontrer avec et à l'intérieur d'Uranus, dans la fleur d'Uranus, d'être pétale de cette fleur, d'être chacun de nous pétale de cette fleur, de vibrer dans la fleur, goûter à cet Uranus.
Et les soirées comme celle-là sont des opportunités incroyables de ressentir l'énergie d'Uranus. Passe par la mort du mental, c'est Pluton. Là est la véritable compréhension de Pluton, la mort du mental. La mort du mental inférieur pour entrer dans le mental cosmique. Le mental bouddhique, oui, j'ai pas encore parlé de ça. C'est en se coupant du mental ordinaire qu'on peut rentrer dans le temple, et dans le temple, on rencontre la bouddhi, le mental bouddhique, le plan bouddhique. Le mental qui plonge dans le corps bouddhique. Et parce qu'il plonge dans le corps bouddhique, c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveillé. La bouddhi. La présence. Le Bouddha. Contact au Bouddha en soi. Corps bouddhique. Et qui un jour amène à l'illumination, c'est bien plus tard, dans d'autres signes, et particulièrement dans le taureau. C'est dans le taureau qu'on est en contact avec le Bouddha. Le Gémeaux, c'est ce passage du mental ordinaire au mental bouddhique, au corps bouddhique, c'est plus juste. Exister, communiquer dans ce corps bouddhique, dans ce corps de présence silencieuse. Corps de présence. C'est dans ce corps bouddhique qu'on se retrouve dans la véritable méditation. Tant qu'on essaie de méditer, on n'y est pas. Quand on plonge dans le corps bouddhique, on y est. Alors c'est une plongée. On laisse le mental derrière, à l'arrière-plan. Et la présence de ce monde silencieux est là. C'est un monde spatial. Il y a de l'espace. Énormément d'espace dans le corps bouddhique. Et c'est là que commence la méditation. La méditation, c'est le mental qui est au service du silence. C'est le mental qui transmet le silence. C'est le mental qui prend sa source dans le silence. Il est plus emporté. Il naît du silence. Alors, méditation. Méditation, puis contemplation.
Méditation, à l'écoute du silence, contemplation, on peut avoir les yeux grands ouverts et être en contact avec le regard de l'autre et vivre ce monde de la contemplation. Monde de la contemplation qui est très peu connu encore. Donc, qui est tellement magique. La contemplation. Tous ceux, bien sûr, qui ont fait des initiations avec nous connaissent, parce que c'est le centre de l'initiation, c'est le cœur de l'initiation. C'est voir l'autre par le troisième œil, contempler. Et évidemment, il y a des techniques de contemplation, multitude de techniques de contemplation que l'on transmet à travers les initiations. Se concentrer sur un œil, se concentrer sur un autre œil, sur l'œil du mental, l'œil de la personnalité, puis l'œil de l'âme, l'œil droit. Et on prend le temps d'observer, de rentrer en contact avec l'âme de l'autre, mais aussi avec sa personnalité, avec son œil gauche. Tout ça, c'est la science de la contemplation. C'est d'une richesse incommensurable. Et puis on peut bien sûr se concentrer sur le troisième œil et là avoir la synthèse. La synthèse de l'âme et de la personnalité. La synthèse des deux yeux qui nous amène dans le troisième œil. En contemplation. Troisième œil, troisième œil. Alors, on peut accorder ce qui est vu et ce qui est entendu. Les deux se synchronisent, se syntonisent. Et il y a une magie particulière qui s'opère, et c'est la contemplation. Là aussi, il y a une multitude de formes de contemplation. Se contempler dans le regard, par le regard. On peut contempler aussi une bougie. On peut contempler la lumière. Concentrer sur une bougie, sur la flamme d'une bougie. Puis fermer les yeux et laisser cette flamme activer le troisième œil. Et réveiller ce monde de la contemplation.
Peut-être fermer les yeux quand même quelques minutes. Être ensemble dans cette présence, dans ce silence. Plonger à l'intérieur. Observer le souffle. Ce souffle qui traverse toute la colonne vertébrale. De la tête aux pieds. Et on va au-delà de la tête et on va en dessous des pieds. Le souffle est dans la visualisation du souffle. On devient un avec la terre. À l'expire. Et on devient un avec le ciel. À l'inspire. Et on prend le temps de goûter à cette présence. Dans l'union de notre soleil, de notre lune, de notre terre, lune. Et ressentir la belle présence de Mercure. Dans cette présence, on peut aussi ressentir Vénus, qui elle aussi est dans le cœur, dans le temple, du cœur.
sein de cette présence, cette Vénus Jupiter d'aujourd'hui. Peux la ressentir. Ressentir cet amour, communion, amour collectif, Vénus, Jupiter. On embrasse tout le monde en unité. La grande sensibilité d'Alcyon.
Être dans ce beau et profond silence, on peut vous proposer 5-10 minutes de questions-réponses, puisqu'on est dans le Gémeaux. C'est le monde de la communication. Ces questions-réponses, c'est vraiment le temps du Gémeaux. Donc on peut prendre un petit temps pour ça. Or, tranquillement, si quelqu'un a envie de poser une question, il semblerait qu'il y a déjà quelqu'un. Alors, Lysiane, oui, on t'écoute. Ce n'est pas une question, c'est un partage de vision. C'est possible? Bien sûr, bien sûr. OK. Cette pleine lune est une pleine lune révélatrice. Et toi, quand tu nous en parles, je vois un basculement. Un changement de champ d'expérience pour nous, terriens, mais pour l'ensemble du cosmos. En fait, il y a pour la Terre l'ensemble des pyramides qui ont été construites, que ce soit en Égypte, en Amérique du Sud. Je vois aussi vers la Russie, il y a des pyramides, je ne sais pas où. L'ensemble de ces pyramides était en attente de ce moment. Et ce moment est venu. Et la projection astrale de ces pyramides, ainsi que les êtres qui ont été enterrés, momifiés ou whatever, en fait, sont en train de s'élever, sont en train de transmuter. Et par Alcyone, avec les Pléiadiens, donc leurs habitants, ils sont détenteurs des clés de la révélation. Les Pléiadiens, donc ça a commencé hier à 21h15. Il y a des détenteurs de ces clés vont ouvrir, sont en train d'ouvrir. On est en train de le vivre là, tous ensemble. Et ils vont ouvrir les portes de ces nouveaux champs de conscience par ces pyramides qui sont en train de transmuter. C'est extrêmement subtil. Ça a été caché jusqu'à présent, évidemment, par stratégie, on va dire. Et donc, nous sommes dans un temps de grand changement. Et Thoth, tu nous as montré là cet alignement, ce qui est en train de se passer, qui est unique, précieux. Et il est vraiment pour la planète Terre, mais pour l'ensemble de notre cosmos, avec tous ces enjeux actuels. Et par l'ouverture de ces champs de conscience nouveaux, il va vraiment y avoir du remue-ménage. Il va y avoir des changements profonds. Il ne m'est pas donné de voir quelles conséquences ça va avoir pour nous sur Terre, mais ce que je vois, c'est que ça va créer d'énormes bouleversements. Et nous sommes en lune en Gémeaux. Et Thoth, accompagné d'Émeraude, nous révèle, nous dévoile l'alchimie, l'alchimie, oui. L'alchimie, en fait, de cette danse des planètes. Et donc, je sens combien c'est important vraiment, et là, c'est ce qu'on a fait tous ensemble, de l'intégrer profondément et de sentir combien avant ne sera plus jamais. Nous allons vraiment
pas à pas, mais là, c'est une marche d'escalier que l'on va monter tous ensemble. Vraiment. Pour des révélations de nous-mêmes, des révélations de la vie, du vivant, de notre place ici sur Terre, de ce qui se passe dans le cosmos. La Fédération intergalactique, évidemment, est là, elle veille. Et donc, ce que j'ai senti là, en fait, ensemble, réunis dans nos présences silencieuses, c'est cette capacité que nous pouvons avoir là de nous prendre ensemble par le cœur, par le bras des cœurs, et que c'est très important de garder ça et d'être attentifs les uns aux autres, car nous allons vivre des heures prochaines. C'est pas qu'elles sont ultimeuses, elles sont transmutations. Transmutation alchimique, comme tous les mots que tu as prononcés, Thoth, étaient une explication posée, en fait, de tout ça. Merci. Merci aux Pléiadiens, par Alcyone, qui ont décidé d'agir. Voilà, c'était pas forcément. C'était pas acquis, mais ils ont pris la décision. Et merci à la Fédération intergalactique et merci à nous tous ici, sur la planète Terre, réunis par Thoth et Émeraude. Merci beaucoup. C'est une réjouissance. Ah, s'il y a d'autres personnes qui veulent partager ou poser une question. Minutes encore. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on va passer au chant de quelques mantras. Comme c'est chaque pleine lune. On rentre ensemble dans la vibration des mantras. Tu veux peut-être, si tu veux dire un petit mot par rapport à ces mantras de ce soir. Oui, je peux dire un petit mot. Donc, on va faire quelques mantras ce soir et on va commencer, j'allais dire bien évidemment, par la Gayatri, qui est ce mantra qui connecte la Lune à notre Soleil et
et le tout au soleil spirituel central pour nous faire décoller vers l'illumination. L'illumination du cœur. Grâce à cet oiseau qu'on appelle Hamsa. Donc grâce au souffle, à l'inspire et à l'expire. Pour nous connecter à l'univers et se sentir vraiment un avec l'univers, avec cette conscience infinie que nous sommes. Après, on va chanter un mantra à Ganesh pour s'élever dans la joie. Ganesh, c'est le grand protecteur. C'est celui qui chasse les obstacles. Et c'est vraiment une puissance de joie et de lumière incommensurable et de célébration. Après, on change de continent. On va en Égypte. Et on va chanter le mantra de Thoth. Et celui-ci, il est très puissant. Il est dans les tablettes d'émeraude de Thoth, si certains connaissent. Il nous fait décoller de la terre. Il nous fait ascensionner et nous libérer des entraves terrestres, matricielles, puissantes. Il nous libère des chaînes. Donc voilà, tout ça c'est à ressentir et à vibrer bien sûr. On met des mots dessus, mais l'essentiel c'est de l'expérimenter par le chant. Et le dernier mantra, ça sera un mantra relié au signe du Gémeaux, qui est Soham. Je suis cela, je suis lui, je suis le tout. So, l'inspire. Ham, l'expire. Je suis l'univers. Je suis le tout. Je suis cela qui est. Et pour le dernier mantra, c'est important d'être conscient à la fois du regard, du souffle et du son. Om Bhur Bhuvah Swaha.
Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodaya. Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Om Bhur-bhuvah-svaha Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Om Bhur-bhuvah-svaha Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Om Bhur-bhuvah-svaha Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Savitur-varenyam Bhargo-devasya dhimahi Diyo yo na prachodaya. Om Bhur-bhuvah-svaha Savitur-varenyam
Ganapataye namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha
Sharanam, Sharanam, Gangalapataye Namah, Sharanam Ganesha. On va passer au troisième, Doré ou La, mantra Tot. Et vous allez pouvoir le chanter en même temps. C'est très très simple et transcendantal. Doré ou La, 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 doré ou la. Doré ou la, 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 doré ou la. Doré oula, 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 doré oula.
Om Soham. Om Soham. Om Soham. Om Soham. Om Soham.
Merci, merci à tous, à toutes, de votre présence. Et on se dit donc à la prochaine pleine lune du cancer. Merveilleuse soirée à tous. Merci, merci, merci. Merveilleuse soirée. À très vite. Ciao, ciao.